La Grèce promet des cadeaux fiscaux pour attirer les investisseurs. Athènes a décidé de mettre en place un dispositif qui vise les plus fortunés. Ceux qui élisent domicile dans le pays sont soumis à un taux d'imposition forfaitaire sur leurs revenus mondiaux allant jusqu'à 100 000 euros. En contrepartie, il faut investir 500 000 euros dans l'économie grecque dans un délai de 3 ans. Les personnes fortunées disposent de toutes sortes de moyens pour éviter de payer des impôts. Ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui peuvent venir investir en Grèce et y vivre, si possible. Nous avons de nombreux projets d'investissement de toutes sortes, modestes ou d'ampleur, de l'immobilier jusqu'aux affaires, qui offrent de très bons rendements. Ce dispositif est déjà bien connu de certains pays de l'Union, comme l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Italie, Chypre ou encore Malte. En Europe, des sites comme ceux-ci fleurissent et gagnent chaque jour des visiteurs. Ils s'adressent à la classe moyenne des ultra-riches, explique leur pourfendeur. Ils promettent à leurs clients des outils simples pour trouver une domiciliation fiscale afin de réaliser des économies d'impôts. Mais ces dispositifs mettent à mal le contrat social en Europe, selon leurs détracteurs. On assiste à une vraie prolifération des incitations fiscales pour les particuliers les plus riches. Cela revient à voler les revenus fiscaux à d'autres pays. Nous devons veiller à ce que les règles du jeu soient équitables et à ce que les gens paient davantage s'ils sont plus riches, et non l'inverse. L'impôt sur le revenu reste la principale recette fiscale des pays de l'Union pour financer les services publics.